Donald Trump a paré pour prendre une décision sur l'accord Iran. Les États-Unis ont pu preuve Israël Bay comme quoi Iran possédait installation nucléaire en cachette. Et puis, migrants qui ont couru quitter la région Amérique centrale là, paré pour présenter Kayo devant juge immigration aux États-Unis, une façon pour être si capable de joindre asile sous territoire américain. Bienvenue dans Développement Actualité. Merci d'avoir choisi la Voix de l'Amérique pour informer au après-midi. Jeudi, c'est 1er mai, donc dans le pays d'Haïti, il y a une pile d'activités qui marquait 1er mai ça, qui s'est fait agriculture et travail. Donc, que ce soit dans la capitale là ou bien dans la ville provinciale, que ou à les Cafou, Grand Danse et au Cap, moun ka constaté, il y a une conférence débat sur production agricole là, il y a une fois agro, industrie, artisanale plutôt. Et puis, dans le Cap Haïtien, deuxième ville pays, c'est environnement, agriculture, et même dans Cité Soleil, Soubécane. Mais nous voilà dans la deuxième ville pays, dans le Cap Haïtien, avec correspondant nous, Yvan Martin Jasmin. Activité était surtout centrée sur place Notre-Dame-Nord, côté diverses associations planteurs, coopératives avec l'école technique agricole qui organisé une foire agricole et artisanale. Dans l'occasion, Télévision La Voix de l'Amérique a rencontré avec membres APK-PKN, une association qui construit une poubelle avec matière plastique. Responsable APK-PKN, Mme Judith Benjamin de La Voix de l'Amérique, poubelle ça a construit dans l'idée pour protéger l'environnement. Nous réalisons que ces bouteilles plastiques qui bouchent les égouts, qui bouchent les canaux, qui causent que l'inondation en produit doit prendre le monde. L'association, nous chitons ensemble, nous discutons ça et nous réalisons que si nous achetons des bouteilles plastiques dans mes populations, nous produisons des poubelles, nous mettons dans la rue au service de la population, ça va capable de réduire le taux de déchets dans la rue. Nous avons une activité officielle a déroulé dans Marion, une localité qui est ouverte dans la commune Grand Bassin, dans le département nord-est PIA, en présence du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse avec plusieurs membres du gouvernement. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan. Effectivement, président Jovenel Moïse était dans Marion, dans le département nord-est pays à côté. Il prend la parole et il a abordé tout plusieurs thèmes que il était traité hier dans l'occasion bilan que il a présenté sous caravane changement. Entendez président Jovenel Moïse. Politiciens, c'est pour nous réveiller nous. Faut nous réveiller nous aujourd'hui pour nous connaître pays à mandon chance. Les mandon chance même la communauté internationale là tout temps. Tout temps eux-mêmes ils ont Yo pas venir pour venir changer rien pour nous, yo venir pour accompagner nous. Accompagner nous dans changement n'a fait. Même j'en sept priorités gouvernement, tout membre communauté internationale la parler pour allier yo à travers sept priorités ça yo. Ce courtoisie télévision nationale et d'Haïti sous la parole que le président a prend dans l'occasion 1er mai afin de dire que bilan président Jovenel Moïse sous caravane changement provoquer réaction dépamment dans la classe politique haïtienne. Par exemple, pour Clarence Renoir, qui c'est leader Unir, Union nationale pour intégrité et réconciliation. Et bien, il dit que c'est le président qui a fait bilan caravane et il mettait en doute question courant 24 sur 24 là. Il y a un projet que nous connaissons qui est très cher à président Moïse. Entendez Clarence Renoir. Pays qui gagne une infrastructure solide déjà par le courant 24 sur 24, il est difficile pour comment Haïti faire bail dans 15 mois qui était là. Bon, ça, en nous quitter le président lui-même, prend engagement public lui, et puis la montrer qui lui fait bail ou qui n'a pas fait bail tout. Ça, c'est notre question. Maintenant, je vais aller rapidement avec vous sur question sous caravane changement. Caravane, bon gros déviation que fait ma question caravane. Non? Et là, c'est faut qu'on monte, c'est pas critique lié, mais attends, en analyser de manière très objective. Et bien là, président, tu commences avec caravane, il dit caravane, c'est un bagage purement agriculture que le bras l'adresser avec lui. Maintenant, sur le terrain, bagage la vie changer. Il vient dans l'agriculture encore, il vient route, il vient même électricité assemblée entrer dans la caravane. Tourisme entre dans la caravane. Alors que le gouvernement, qui est en place le gouvernement, le programme de gouvernement, que l'on présenté avec lui devant le Parlement dit OK, mais d'accord avec le projet, ça a gagné, programme, ça a gagné pour le développer dans le pays. Mais le gouvernement, ça se passait un an là, pas un bilan, non? Tellement bilan négatif qu'il est obligé de changer quatre ministres dans le gouvernement et il crée une insatisfaction générale. Donc, comment maintenant parler de caravane et de bilan caravane? Caravane, c'est une idée. Caravane, n'a pas un programme. Ils ont un mécanisme, d'après ça.
Comment? Oui, d'après sa président dit son mécanisme lié, elle toujours dit que c'est pas un programme que l'est. Eh bien, qui sont capables de tirer bilan sur une idée, sur un mécanisme qui va gagner des fonds propres qui allouent à lui-même. Et c'est là que plus gros critique qui est, que ce soit en Haïti, que ce soit avec partenaires bilatérales et internationaux que Haïti gagne, il y a toujours à demander, mais caravane ça, côté projet, est-ce que il y a un budget? Est-ce que nous sommes capables de voir qui budget que lié, qui sa budget à prévoir pour le faire, qui sa dépenser déjà, qui sa crédit pour dépenser? Donc, son mariage a fait dans l'opacité, c'est-à-dire qu'a fait dans le fait noir, pas gagner transparence là-dedans. Et le fait que pas gagner transparence là, il va être plus problème encore pour qu'on va analyser le progrès qui gagne là-dedans. Seul monde qui va analyser le progrès et faire bilan pour contrer ses présidents. Parce que c'est celui qui connaît qui côté lié, qui côté le voulait aller. Personne, l'autre monde, pas connaît encore. Projet ça, lui son projet. Purement présidentiel que lié, mais pas un projet national, gouvernemental d'État. Journaliste Clarence Renoir, c'est l'idée UNIR, Union nationale pour intégrité et réconciliation. Pendant ce temps, corruption aurait été un gros défi administration Moïse Lafontaine. Dans ce sens, secteur public là, et secteur privé a gagné 3 mois pour travailler ensemble avant de signer ça y aurait un pacte contre la corruption. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Vous engagez la nation dans une dynamique nouvelle et vous apportez des moyens à la stratégie globale de lutte contre la corruption. Déclaration président haïtien Jovenel Moïse, dans le moment côté secteur privé et secteur public haïtien, signé un mémorandum d'entente contre corruption, vendredi 27 avril, là, dans le centre convention Banque Centrale Pays. Chef l'État a profité d'encourager le secteur privé pour l'initiative ça. C'est directeur unité lutte contre corruption 1, ULCC, major David Basile, coordonnateur forum secteur privé Bernard Crane, qui est président chambre commerce et industrie pays d'Haïti, avec 2 témoins, Georges Sassine, président ADI, et René Laurent, qui signait mémorandum d'entente ça. Bernard Crane, qui a dit nous qui prochaine étape, il va le suivre. Prochaine étape, yo, c'est un NAPE travail sur un pacte, qui sont pacte anticorruption, que secteur privé a. Toute association voit ça, pas seulement Chambre de commerce a dit avec Forum. Là. Toute association a bien signé avec le gouvernement et le gouvernement a proposé de faire ça par le premier ministre. Pas que ça a inclus, premièrement, une campagne de sensibilisation et d'information adressée au public en général, mais aux opérateurs du secteur privé en particulier, pour qu'ils connaissent qui ça que la législation haïtienne prévoit en cas de corruption. Les actes qu'on commet qui assimile à la corruption, selon la loi, il y a une série de pénalités très fortes que la loi prévoit contre Mounsaïo. Paul Latortue, un économiste haïtien qui déjà réagit sur le dossier corruption, fait l'État haïtien quelques suggestions dans la lutte la menée. Mon corps mettait en charge de dépenser l'argent, il ne faut pas corrompre. Deuxièmement, il faut payer le bien d'eau. Troisièmement, il faut l'argent à le dépenser selon les normes de la comptabilité et selon les normes de la passation des marchés. Pour ces Intel qui dépensent comme là, de la façon qui n'est pas correcte, il faut que Intel soit apparaître devant la justice. Mémorandum ça a signé quelques jours après participation du président haïtien Jovenel Moïse dans le 8e sommet des Amériques, dans ville Lima, pays Pérou, côté chef l'État dans la région, t'es arrivé à joindre un compromis pour lutter contre la corruption. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Toujours nouvelle concernant pays d'Haïti, ambassade américaine organisée pendant le week-end qui s'est passé là, dans la ville Okana, département sud pays, ça a été le camp technologique 2018 là. Il y a un camp formation côté plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs qui sont dans 4 départements Grand Sud là, qui ont participé dans 3 journées ateliers qui étaient déroulés sous nouvelle technologie. Il y a une correspondance Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okana. Sous initiative département d'État américain, ambassade américaine dans Port-au-Prince dans tête collée avec l'Université américaine de la Caraïbe-Okaï, organisée pendant le week-end Tech Camp 2018, côté une trentaine jeunes entrepreneurs qui étaient sortis dans 4 départements Grand Sud-là, qui participé dans 3 journées de formation sur nouvelles technologies. Ambassadeur américain Michel Sisson, qui te prend la parole dans ces circonstances-là, te mettait accent sur l'objectif qu'en formation ça. Pays États-Unis reconnaître valeur entrepreneuriale dans l'économie mondiale.
dans la région de Sahara. Nous sommes très fiers d'être nous supporter l'initiative Jeunes Leaders Américains, Young Leaders of the Americas Initiative, qui relève YLI, Y-L-A-I. YLI connecte jeunes leaders entre eux-mêmes. Programme YLI là, by entrepreneurial, formation, outils, réseau, accroissé sous besoin pour transformer l'entreprise et puis pour contribuer plus dans le développement économique et prospérité pays Haïti. Président Chambre Commerce, Industrie et Profession Sud-là, Antoine Borgard, a dit qui importance formation a gagné pour entrepreneur Grand Sud. Pour y a un bac à faire business sous pas rentrer dans la nouvelle technologie. Donc, du moment qu'on va rentrer dans la nouvelle technologie, on va adapter à la nouvelle technologie, on va rater prochain. Participants yo, qui t'a exprimé satisfaction, estimé formation ça va permettre yo mieux organiser yo dans le domaine entrepreneuriat. N'a signalé activité ça mette fin dans une tournée 4 jours ambassadeur américain Michel Sisson t'a effectué dans sud pays ya. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caï. Merci Eliska, on a prêté toujours dans le domaine technologique là dans pays Haïti sorti 21 juin pour arriver le 23 juin 2018. Haïti pral servi comme siège deuxième édition sommet Haïti Tech qui a réuni représentants national et international. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Derrière événement international ça, yon américaine d'origine haïtienne qui déjà fait preuve li dans domaine technologie aux États-Unis d'Amérique avec divers autres pays sous planète là. Il s'agit de Christine Sofran Ntim, entrepreneur dynamique qui figurait dans classement Forbes Under 30 en 2016. Mariée avec yon ti fi, Christine Sofran qui revendiquait appartenance haïtienne ni décidé mettre connaissance li au profit de pays et entreprendre diverses actions qui capable gain impact sur lui. Yeah, so Haiti Tech Summit là c'est une idée de commencer penser planifier pour en 2015. Raison de planifier sur lui peut-être même te j'étais honoré me dit que ça Christine ou c'est dans Forbes magazine en pile média parler de mais c'est le même qui haïtien qui a fait pareil qui entrepreneur là qui a fait gros business qui sorti Haïti c'est pas de vrai. Mais pour moi-même, je viens à l'idée, je me dis que ça, avec ça, je vais faire pour nous changer les filles qui payent avec technologie, avec business, pour même tout, comme tu la point. Jeune entrepreneur, 28 ans, félicité concrétisation rêve ça. À savoir, mettez sous pied une plateforme capacité célébrité, ça compte hommes et femmes d'affaires qui riches pour découvrir Haïti. Les cités à titre d'exemple, présence pendant la première édition Haïti Tech Summit, start-up qui est plus populaire qui tournait vers la technologie dans le monde, là, tant que Uber, Airbnb, Google, Facebook et la trier. Initiative ça, selon lui-même, pas sans conséquence sur le pays. L'année passée, nous devons à Google, Airbnb, Uber, Facebook, Microsoft, IBM, et puis tout gros nom dans média, nous devons à Forbes, Fast Company, Inc. Magazine, Black Enterprise, tout le monde qui était média, et puis, pas oublier, c'est presque 43 millions d'impressions qui fait dans 2 jours. Nous tellement de photos à monter sur Haïti Tech Summit pour 2 jours. Lors Google Haïti, c'est Tech Summit là qui te paraît pour 2 jours. Et ça, c'est donc et Christine Souffrant va dire nous plus dans une autre édition. Nous saluons tous les amis nous qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous on a salué et Willy Calixte, on a salué tout Guy Gilles qui dit bonsoir à la Voix de l'Amérique, semblé Joseph Destiné. On a pompose avant nous entrer dans l'actualité à ce plan international. Bonsoir à tous les amis. Je vous invite à nous garder la deuxième partie la Voix de l'Amérique là sous Mapou et Asian News. C'est facile pour nous faire les garder tic. À droite nous en bas vidéo à nous tirer triangle ou à cliquer sur lui et puis la bonne description et puis nous mettez link pour regarder deuxième partie et la Voix de l'Amérique là. Donc nous demandons nous pour encourager Palmis avec Mapou la caille puisque nous gagnons deuxième channel qui c'est Mapou et Asian News. Regardez deuxième partie à sous Mapou et Asian News, nous mettez link là en bas vidéo ça. Merci en pile.